Une bonne chose à écouter. 1950 moms are working all the time. 1950 moms à travail tout le temps. 1950 maman travaille tout le temps. One lends a hand to another. Youn longe mes bas à l'autre. Le temps la met à l'autre. L'un temps la met à l'autre. When they are eating at home, all neighbors eat. Mais à manger la caille, voisinage à manger. S'il mange à la maison, tous les voisins mangent. Il est de l'autre. Ils comptent partager. They know how to share. Ils savent partager. Je levais grand matin, aller à l'église, 15 minutes, messe basse. Pour aller remercier mon Dieu. Ok? Tout ça le fait pour vous. Yo, vraiment reconnaissant. Early in the morning, they are on their feet. Since the rooster crowed. Grand matin, yo soupillé. Depuis qu'on cacaille. Au petit matin, elles sont debout depuis le coq a chanté. Everyone must eat to go to school. Tout le monde doit manger pour aller à l'école. Tout le monde doit manger pour aller à l'école. They eat ground corn with pickled herring. Un petit maïs brassé à tansor. Bon bagay. Y a mangé. Un petit chocolat. À pain, y a mangé. Un petit acasson, à pain, y a mangé. Il mange du maïs mouillé avec du hareng mariné cuit. Gen ti moun qui a l'école sans manger. C'est pas que maman saye. Maman saye a fait travail. A pile les poids. Il a pile les poids bien pour le donner. They are preparing food after school. On a préparé manger après l'école. On prépare la nourriture du midi avec leur maman après l'école. Un petit monde pour braler la marche. Un petit chapeau paille, la tête au petit panier, on braler la marche. On va passer de l'église à fond, un petit campé, on va faire un petit peu. Des mois abdi à bon Dieu après son aller, faut passer devant l'église là, devant l'église on passer, faut camper. Children, you go to the market, you pass in front of the church. You must pass in front of the church. Okay? To say thank you to God. Les enfants, vous allez au marché, passez devant l'église. Allez dire, arrêtez-vous une minute. Children. Rush to go to school. The time has come. Mom, hurry to go to work. Si moun pressé pour aller à l'école, les arrivé. Mom, pressé pour aller travailler. Les enfants, le moment de l'école est venu. Pour maman, c'est celui d'aller au travail. We have to go to school. Nous sommes obligés à l'école. Nous devons aller à l'école. Go to school without eating. But when coming back, you help mom to prepare sauce beans. À l'école sans manger, les retourner. On va aider maman à piler poids. Je vais aller manger midi. Aller à l'école sans manger, en entrant, aider maman à préparer sauce haricot. Mise à dedans, so you don't go to school hungry. Mettez main à la pâte pour ne pas aller à l'école grand goût. Mettez les mains à la pâte pour ne pas aller à l'école le ventre vide. All moms help put children under control. Toute maman aide. La mette Timon sous contrôle.
Toutes les mamans aident à mettre les enfants sous contrôle. Il y a beau la marché pour contrôler comme l'avenir, Timon. Et même ma chambre, c'est maman et tout. La pédo, contrôler. Timon, l'école. Marcher pour aller à l'école. Maman, marcher pour aller au travail. Maman, have a small sewing machine to make children clothes. C'est bien. Maman, j'ai une petite machine à coudre pour faire rad pour tes mounis. Comme ça, une petite machine à coudre pour confectionner des vêtements d'enfants. C'est économisé. All moms to take the responsibility. Children must be well educated. Tout le monde prend responsabilité. Si mon yo doit bien éduquer. Maman, prenez vos responsabilités. Les enfants doivent être bien éduqués. Maman m'a fait bon bagage. Bon chant et fort. Paquet et fort. Maman est comme early to prepare children for school. After that, they got to go to work. When come back, they got to cook food and then make children study and they sleep late at night. Hein? Maman levé bonnet, il prépare ti moun pou la l'école, pou la lan travay li même. Après l'ol tourne, il gen pou kit manje, il gen pou fè ti moun étudier et c'est lui qui couche pita. Donc ça, c'est une bonne époque. Ni maman fait tout travail ça yo ou pas qu'à manquer éducation avec maman ça yo bien élevé.